Amis téléspectateurs, nous saluons et nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show. Rendez-vous que nous gagnons toutes les fins de semaine, côté que nous partageons avec vous l'actualité culturelle en Haïti et à travers la diaspora. À l'émission du jour, amis téléspectateurs, nous gagnons pour PBT 5 points à l'ordre du jour. Dans un premier temps, nous parlerons de la célébration du 70e anniversaire de l'orchestre septentrional qui n'est pas nécessairement un anniversaire musical, c'est tout aussi bien un anniversaire social, un anniversaire sportif, avec un pile d'autres activités qui prévoit pour dérouler dans le pays d'Haïti avec la diaspora. À l'émission du jour, nous gagnons une interview avec deux dirigeants de l'orchestre septentrional qui a porté pour nous des précisions autour de la célébration du 70e anniversaire de l'orchestre septentrional, encore une fois, qui se partage entre la musique, le social et les activités sportives. Linda Lambert de Double L Productions a lancé une invitation pour la fête des pères. C'est la deuxième édition qui a déroulé dans Boynton Beach, Florida, cette année, avec l'orchestre harmonique. Linda Lambert, t'es la micro, nous, jeudi et jeudi, pour plus de précisions concernant cette célébration pour le 16 juin prochain. Et puis, amis téléspectateurs, Timiki, timidement actif dans la musique haïtienne, c'est le cas de le dire. Artiste a fait une performance récente du côté de Little Haiti à Miami, à l'émission du jour. À notre micro, l'artiste Timiki a parlé de quelques activités qu'il gagnait timidement. Et puis, amis téléspectateurs, le chanteur Luc Merville a été condamné à 6 mois de prison. À l'émission du jour, le reportage concernant la situation du chanteur Luc Merville. Et puis en fin d'émission, Harpy TV vous invite, une autre fois encore, n'a pas reformulé l'invitation pour la soirée du samedi 23 juin prochain qui a mené le deuxième anniversaire de Harpy TV qui a célébré dans Casa Champette. Les amis téléspectateurs, ce sont là les grands nids de l'émission du jour au Piculturel TV Show. N'a propose d'un tourner avec le développement de l'actualité culturelle pour jeudi et jeudi. À l'occasion de la célébration du deuxième anniversaire de Harpy TV, Roupi Production Television, nous tous invités dans la soirée ventinature du dernier CD en date de la mégastar du Tabou Combo Superstars, Capi, cap également en performance live. Rendez-vous samedi 23 juin 2018 dès 10h du soir à Casa Champette de Pengu Pines, Florida. Et également au menu de la soirée, cocktail de blagues avec les meilleurs comédiens de la ville. Kiki le blagueur, Aubry Blague, l'humoriste Gester Mésidor et Roupi the Entertainer. Invité d'honneur, le grand chanteur Casimir des frères Desjardins de Pétionville et l'excellent guitariste Ronald Smith en live. Exposition et vente de peinture traditionnelle venue directement d'Haïti. Rencontrez le staff de Harpy TV, venez dire bonne fête à Roupi Production TV et dansez toute la nuit au rythme de DJ Kiki, le meilleur de la cité. Rendez-vous 10h du soir, samedi 23 juin 2018, Casa Champette, 7920 Pines Boulevard, Pembu Pines, Florida, pour chanter, danser et fêter avec Harpy TV. Admission, $20 à l'avance. Free CD de Capi du Tabou Combo inclus. Pour information, 954-729-2214. Menix Photo Studio de Fort Lauderdale, qui vient porter photos souvenirs de qualité professionnelle pour tout haïtien dans 1525 North Federal Highway dans Fort Lauderdale, Florida. Dans le moment, Menix Photo Studio y a un spécial $24.95 côté le remettre un portrait 8x10, deux photos 5x7 avec deux autres portraits wallet size pour capable caler poster dans Boussou. Et si vous dites c'est sous média ça, pour autant décoser, ou tout bon rabais spécial avec un lot 8x10 gratis et pas bien réclamé en cadeau. Menix Photo Studio, tout fait étudiant cap graduation songez que le spécial photo graduation en studio ou pas même besoin pour tes cap and gown. Nix vient pour nous toutes à la ronde badet. C'est un nick posé et puis clic clac. Nix Photo Studio, 32 ans d'expérience photo pour toute occasion, baptême, mariage, communion, événements privés ou publics, photo passeport et immigration et même anniversaire. Nix Photo Studio, 1525 North Federal Highway, Fort Lauderdale, Florida. Téléphone 954-514-7834. 954-514-7834. Avec Nix Photo Studio, c'est posé, posé. Oh.
Rupi Production Television, RPTV, TV, le carrefour des informations et de la promotion. Dans mes téléspectateurs, nous apprécions qu'on ait été branchés pour le développement de l'actualité culturelle à Rupi Cultural TV Show pour cette fin de semaine. Premier point à l'ordre du jour, la célébration du 70e anniversaire de l'orchestre septentrional qui pas nécessairement à célébrer en musique. L'anniversaire de 70 ans a célébré également en social et en activité sportive. Deux dirigeants de l'orchestre septentrional a porté précision. Donc moi-même, c'est Wilfried Suprena et je suis un consultant au Conseil supérieur de l'orchestre septentrional. Moi, je suis le docteur Bernd Paul et membre du Conseil supérieur responsable de l'unité de programmation de 70 ans. Bon, et nous sommes déjà à quelques mois de l'année 2018 et on connaît que le 70e anniversaire septentrional, c'est pas un événement d'un jour, c'est l'événement de toute une année. Donc jusqu'à date, comment nous senti et célébration jusqu'à présent? Bon, célébration a commencé depuis le début de l'année. Oui. Et d'abord le 31 décembre 2017, nous avons gagné une conférence de presse pour annoncer les grandes lignes que nous allons développer. Et pour toute année et 2018, là. Et nous avons gagné tout bal 2 janvier, bal d'enfants, qui était son bal extraordinaire. Et nous avons gagné tout bal des aïeux au Cap Haïtien, qui était tant comme ça, un signe annonciateur de ça qui va le passer. Gagné d'autres activités en perspective. Par exemple, nous avons un concours littéraire qui lancé. Et au mois d'avril, et qu'au mois de juin, nous pourrons annoncer les gagnants. Gagner des activités sportives qui programment tout, et participation orchestre dans le 20e anniversaire Festival Compas, c'est un autre élément nouveau qui vient apporter que, et qui vient monter tout dans ce qui a un rapport avec la célébration 70e anniversaire de l'orchestre septentrional. Et concernant l'avenir, lundi l'avenir là, et les activités de Kouniela à fin année, ma consultable ben nous on casse mon sous nous. Bon, en principe, M. Suprena a sauté ou quelques activités. Et je dois dire que activité nous-mêmes que nous avons pour nous organiser, yo lié avec des objectifs que 70 comptait atteindre à l'occasion de 70e anniversaire. Donc nous relais l'horizon 70, c'est que tout au cours de l'année de commémoration ça n'a fait une série d'activités qui pour service 70 dans tant qu'à venir là-haut. Donc on a remarqué que 70 ans et une transition qui fait nous voit que un orchestre jeune sur le plan ressources humaines musiciens et bien nous même tout nous comptons gain des activités qui pour permettre que nous maintenions l'orchestre en vie, nous pérenniser l'orchestre pendant des temps. À savoir, objectif structurel que nous gagnons, là pour permettre que nous monter une organisation structurelle qui pourrait permettre que nous quimber l'orchestre en vie pendant des années. Et nous gagnons aussi des objectifs et culturels, des objectifs et promotionnel pour nous faire promotion orchestre au niveau des jeunes et nous gagnons des activités en ce sens qui pourraient permettre de nous faire. Donc nous gagnons un livre, la deuxième partie du livre de 70 cap gain pour sortir et c'est un objectif que nous avons pour atteindre. Et livre ça, même en première partie, en fait, deuxième partie, pour sortir tout, qui pourraient permettre que nous connaissions ça qui passait en dans septentrional à travers le temps. Et ensuite, nous gagnons album et orchestre qui a gagné pour sortir dans fin juin, début juillet. Et nouvel album septent a gagné pour sortir. Et là encore, son autre grand objectif n'a gagné pour nous atteindre. Et après Pidouvan qui était sorti en 2011, septembre après sorti un nouveau CD et qui après le fait des listes toute fanatique et toute mélomane en général. Donc à part de ça, les activités et spécifiques et n'a pas gain pour nous suivre, pour nous coordonner et dans les différentes régions avec les COSOS, les comités des supporters de l'orchestre qui se trouve un peu partout à travers le pays et dans la diaspora haïtienne.
Voilà, bon, je pense que tout est dit ou bien tout est presque dit, mais on est sur nos derniers mots et à l'attention de nos téléspectateurs. Bon, dernier mot, je dis à propos de l'orchestre septentrional, c'est un fait, un cadeau unique dans l'histoire du pays. À savoir que deux groupes de musiciens, un trio, le trio Symphonia, et un quatuor, le quatuor septentrional. Musiciens ça ont réuni en 1948 et ils ont créé une institution qui a fait service jusqu'à présent, qui a fait le monde danser, qui a créé des hits jusqu'à présent. Je pense que tout Haïtien qui aimait Haïti, qui aimait la culture du pays d'Haïti, qui aimait la musique du pays d'Haïti, est censé être fier de l'institution. C'est certain. Le dernier mot. Bon, dernier mot, m'a dit, tout le monde fait pour que à 70 ans, et septentrional, le doyen de la musique, de danse en Haïti, lui fait fierté pays un peu partout que le passé et il voulait continuer à faire. Objectif, nous, c'est de devenir le numéro un mondial dans le domaine ça. Actuellement, nous sommes parmi les trois et plus grands orchestres du monde. Et c'est ça que fait, nous compter et mettre éléments structurels qui pour permettre nous atteindre objectif ça. Et c'est ça, m'dare, mais tout le monde connaît que septembre rêve nous, c'est vin numéro un en ce sens dans le monde entier. Septentrional, l'orchestre qui vient du Nord, celui qui a célébré ses noces d'or. L'organisation Hope for Children, capé des timouns dans le pays d'Haïti, invite notre troisième gala annuel fundraising ni, cap déroulé samedi 7 juillet 2018 avec New Look. Vin fête avec New Look samedi 7 juillet 2018 dès 7h du soir dans Event Center qui dans 6101 Northwest 31e Street dans Margate, Florida. C'est une soirée élégante de levée de fonds, tenue de ville obligatoire, open bar all night long, dîner complet pour tous les invités, maître de cérémonie Rupi the Entertainer, les séquences vidéo de la soirée avec Rupi Production TV. À l'intermède musical, DJ Nicky Nix vous invite à la danse. Admission $75 jusqu'au 30 juin, $85 après le 30 juin. Réserve et ticket par Jodia, Norelé 954 675 57 62 561 777 25 15 ou bien 561 629 63 02. Samedi 7 juillet 2018, Event Center de Margate vient contribuer à l'organisation Hope for Children au rythme de New Look. Se poursuit pour cette fin de semaine, amis téléspectateurs, les yeux braqués sur Boynton Beach, Florida, côté que nous allons rejoindre Linda Lambert de Double L Productions, qui une autre fois encore a pu formuler l'invitation pour la deuxième édition de la célébration de la fête des pères du côté de Boynton Beach, Anessa. C'est l'orchestre harmonique qui a été retenu pour cette grande soirée. Et bonsoir Roupi, je salue les téléspectateurs qui ont regardé nous là. Et c'est un plaisir aujourd'hui encore pour vous avec PTV. Et merci Roupi. Et je profite de tout le monde que ça attend nous. Et pour la deuxième édition Father's Night, qui a fait samedi 16 juin à Boynton Beach, dans Indian Spring Country Club. C'est même endroit, même côté. Hein? Dans Boynton Beach, Indian Spring Country Club, nous avons fait Father's Night. Nous avons prêté tout le monde, nous avons prêté mesdames, pour mener Mario, mener ménage, mener papa, mener frère, cousin, mener tout le monde. Parce que soirée après soirée exceptionnelle, avec participation harmonique. Oui, et nous avons eu une pile belle surprise. Donc, son soirée exceptionnelle. Soirée, nous avons eu valet parking, et puis nous avons eu un dîner complet. Et puis nous avons eu entertainment avec harmonique. Donc nous toute soirée c'est seulement $100 par personne. Donc bon, soirée sérieux, soirée VIP, tout le monde c'est VIP, les gens de bien, monde supposé habiller Shelby, belle bagarre, gros bagarre qu'a fait. Ah oui, définitivement, c'est comme ça nous fait l'oupi. LL Production, c'est comme ça nous fait. C'est soirée ça, c'est soirée pour monde qui pas sorti tous les jours. Donc soirée ça et tout le monde VIP, Jean Audien oupi. Donc, pour $100, nous sommes vraiment très satisfaits.
Et... Bon, et genre de fête, ça a déjà réalisé que pas gagné à faire de acheter ticket dans porte. Et ça veut dire que si on a venu dans la fête là, il faut acheter ticket à l'avance. Ou t'as voulu nos numéros de téléphone pour moun réserver ticket li? Ah oui, définitivement, réservation est faite à l'avance. C'est 561-758-0999. 561-758-0999. Donc, achetez ticket nous à l'avance parce que pas gagné ticket dans porte. Donc, nous connaissons qui Jean Bagayo fait, c'est sous réservation. Donc, m'attendons nous tous. Ok? Double L Productions prend plaisir pour l'inviter nous tout à la ronde dans le deuxième rendez-vous annuel de la célébration de la fête des pères qui s'est en soirée d'élégance qui a déroulé samedi 16 juin 2018 de 8h du soir à 2h du matin dans Indian Spring Country Club de Boynton Beach, Florida au rythme de harmonique. Mesdames, c'est tout pas nous pour nous mener, messieurs, à bien fêter les papas, samedi 16 juin 2018, dans 11501 El Claire Ranch Road, Boynton Beach, Florida, local. Indian Spring Country Club de Boynton Beach, Florida, au rythme de harmonique. La à l'intermède musical, la danse continue avec DJ Nicky Mix et la comédie est au rendez-vous avec les blagues de salon de Rupi the Entertainer. Harpy TV a assuré les séquences vidéo de la soirée. Admission $100 par personne, dîner complet inclus, tenue de ville obligatoire, free valet parking. Ticket en vente sur réservation au 561-758-0999 ou encore 954-639-2684. Double L Productions vous souhaite une joyeuse fête des pères. Johnny C. Production, invitez-nous tout à la ronde dans une soirée de haute tension musicale avec disciples de Casbonne Couleur. Au contraire. C'est samedi 16 juin 2018, dans les 10h du soir, que disciples de Casbonne Couleur pral déposer compas pour dans Santa Fe Ballroom, qui est dans 3750 Venture Drive du Lut Georgia. Vin bien fêté, vin bien dansé, samedi 16 juin à 17 dans Santa Fe Ballroom. DJ Final à l'intermède musical pour qu'à fêter sans arrêter. Admission $30. Pour réservation de tickets, table et bouteilles à l'avance, relais Johnny C. Production dans 404-901-1511. 404-901-1511. Disciple samedi 16 juin dans Santa Fe Ballroom. Tout le monde joint. Continuer avec l'actualité culturelle sur Rupi Culturel TV Show pour cette fin de semaine, amis téléspectateurs. Récemment, Harpy TV était dans Little Haiti. Nous étions présents dans l'occasion de la célébration Fête Drapeau qui était déroulée avec un pile performance artistique. Une performance qui était retenue, attention nous, c'est l'artiste Timiki qui pratiquement n'est pas actif, n'est pas tellement actif dans la musique haïtienne depuis quelques temps. Nous avons profité de présence non pour nous être capable de rencontrer artistes, pour nous poser la question, pour nous connaître comment ça y est, bon côté pâle, puisque c'est timidement que l'on est présent dans la musique haïtienne. C'est collaborateur de Rochely Desgrange qui t'est rencontré avec Timiki. Amis téléspectateurs, Pablo José, c'est 18 mai. 18 mai, nous connaissons chaque 18 mai dans Florida, son fête qui déjà annonce la couleur. Nous sommes avec Timiki. Nous avons dit à quel sentiment qu'elle a participé dans 18 mai dans la Coupe Floride. Ah, c'est plaisir de venir là, d'ailleurs, on va me camper là, c'est rare, on t'attend. Mais nous savons tout attaché au branché là. Mais nous avons regardé là, nous avons cette belle chorégraphie qu'on a fait sur ce chat avec papa. Dis-nous, nous avons une répétition qui fait tout ça. Non, c'est vibe, nous venons vibe là. Vibe, nous venons vibe. Mais dis-nous, est-ce que chaque année vous participez dans la fête de la peau et Florida? Si je ne trouve pas de venir là déjà dans le combat festival. Mais c'est ça, c'est la deuxième fois que je suis venu à l'époque fête de la peau. Si nous avons un petit passe sur le côté, sur le fait de la pour nous demander à l'artiste qui projet au gain, qui alors est-ce qu'on affiche, prochaine affiche qu'on gagne, dis plus plan qui projet au gain, non, déjà ça. Bon, et je dis que tout attaché à content de ça qui travaille là. Et nous avons fallu sur Instagram, D-R-O, Martelly, D-R-O-M-A-R-T-E-L-L-Y, fallu sur Instagram et puis bien toutes nouvelles, nouveaux vidéos, nouveaux musiques, nouveaux albums, nouvelles dates, tout bien net. Ça veut dire qu'on est connecté pour faire un café plus belle. L'actualité culturelle se poursuit, amis téléspectateurs, pour cette fin de semaine. L'artiste, chanteur,
Luc Merville gagne des entraves avec la justice. Les récentes informations font croire que le chanteur Luc Merville a été condamné à 6 mois de prison. Plus d'informations à travers ce reportage. En effet, le chanteur québécois d'origine haïtienne Luc Merville, âgé de 50 ans, rivé condamné à 6 mois de prison à domicile après que la justice reconnaisse les coupables d'agression sexuelle, gain de cela 22 ans, sur une fillette de 17 ans avec laquelle il était entretenu une relation amoureuse sur une période de 10 ans. Luc Merville pral inscrit sur la liste des prédateurs sexuels pendant 20 ans, selon des informations confirmées. N'a pas rappelé que Luquerson Merville, de son vrai nom, mieux connu sous le pseudo de Luc Merville, prend naissance le 20 octobre 1967 au Bel Air, dans le pays d'Haïti. Rentré au Canada dès son enfance, Luc Merville s'est taillé une grande réputation comme chanteur, interprète, musicien, acteur et animateur de télévision. Luc Merville jouait un rôle de premier plan dans la comédie musicale qui portait nom Notre-Dame de Paris, qui te gagne un grand succès dans le pays Canada. Dans la biographie musicale de Luc Merville, on retrouve des chansons très connues, parmi lesquelles Rude Luc, qui paraît en 1993, Pour le meilleur et pour le pire, qui paraît en 1998, Ti Paysa, qui paraît en 2009, et La Trier, pour ne citer que cela. Luc Merville a joué un rôle actif dans un projet humanitaire de construction de maisons qui portait nom Village-Village dans le pays d'Haïti, mais qui n'est pas arrivé concrétisé comme prévu dans le pays d'Haïti après le tremblement de terre de 2010. Ah, chérie, son j'aime tes ongles pour mener dans un restaurant haïtien, c'est Coupe Droite. Ah ouais? Ah ouais, c'est là que je vais t'emmener. C'est ici qu'on fait le banquet. Chérie, quand on dit buffet à restaurant, c'est ici, on peut tout manger. Ah, very nice. Haïtien, mélangé avec toute notre nation, nous mettons commencer à faire bruit pour tête nous. Yeah. Problème première communion, graduation, baby shower, church events, baptême, banquet, mariage, sporting events, anniversaire, bal, soirée en tête à tête. L'ex-restaurant résout le problème ça. Bonheur. 4322 North Street Road 7, l'odeur d'Alex, Florida. Adresse facile. Come on, man. Entre Oakland Park et commercial sous 441. C'est best place qui gagne, juste pour nous venir hang out, pour nous venir checker. Les gens belles balles, les gens belles fêtes. L'ex-restaurant Fort Lauderdale, 954-677-5136. Pow! Roupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Bienvenue dans RPTV, vous invite, quoi qu'on ait déjà, amis téléspectateurs, nous avons les yeux braqués sur la soirée du samedi 23 juin prochain, côté que la télévision célèbre son deuxième anniversaire, et un deuxième anniversaire que nous pouvons quitter inaperçu. C'est ça qui fait que nous cassons rendez-vous avec tout téléspectateur que nous gagnons particulièrement qui habitait dans le sud Floride, pour nous capables de célébrer ensemble le samedi 23 juin à Casa Champette. Nous gagnons une très belle affiche qui est composée de DJ Kiki pour l'animation musicale pour mon capable bien danser. Et nous avons première partie, côté que nous avons plusieurs artistes qui ont performé. Aminayo, Kiki le blagueur pour capable rire et bien rire. Aubry Blague qui toujours gagne de bonnes blagues pour fort rire. Le grand comédien et humoriste Gessler Mésidor a signalé la présence de Casimir, ancien chanteur des frères Desjardins de Pétionville, que non seulement n'a honoré, mais qui également a performé dans la soirée ça. Et quoi qu'on va prendre les gens, c'est la soirée de Capi du Tabou Combo. Le Tabou Combo qui gagne 50 ans d'existence. Capi qui gagne 50 ans avec Tabou Combo. Et dans la soirée, ça, elle a fait la vente signature de son tout dernier CD. Écoutez que Capi, mis à part le Tabou Combo, gagne pile activité que la menait en tant que musicien professionnel. Donc, amis téléspectateurs, dans la soirée, ça, c'est pour l'opportunité pour capable mettre main sur le CD de Capi. Fondou ça, les copains payer $20 pour entrer dans soirée ça, où tout gagne, on s'y dit gratis. N'attend tout le monde à la ronde badée. À l'occasion de la célébration du deuxième anniversaire de RPTV, Whoopi Production Television, nous tout invités dans soirée ventinature du dernier CD en date de la mégastar du Tabou Combo Superstars, Capi, cap également en performance live.
Rendez-vous samedi 23 juin 2018 dès 10h du soir à Casa Champêtre de Pengu Pines, Florida. Et également au menu de la soirée, cocktail de blagues avec les meilleurs comédiens de la ville. Kiki le blagueur, Aubry Blague, l'humoriste Gester Mésidor et Rupi the Entertainer. Invité d'honneur, le grand chanteur Casimir des frères Desjardins de Pétionville et l'excellent guitariste Ronald Smith en live. Exposition et vente de peintures traditionnelles venues directement d'Haïti. Rencontrez le staff de Harpy TV, venez dire bonne fête à Rupi Production TV et dansez toute la nuit au rythme de DJ Kiki, le meilleur de la cité. Rendez-vous 10h du soir, samedi 23 juin 2018, Casa Champêtre 7920 Pines Boulevard, Pembu Pines, Florida, pour chanter, danser et fêter avec Harpy TV. Admission, $20 à l'avance. Free CD de Capi du Tabou Combo inclus. Pour information, 954-729-2214. 23 juin, la Casa Champêtre. Pas rien l'autre encore. Un seul bagaille. DJ Kiki, Happy TV, bon bagaille. Et puis, du même qu'on m'a invité Mounio le 23 juin, dans la Casa Champêtre, côté nous camper là, on a tout un pléiade d'artistes. Et pour nous fêter avec Rupi et toute la famille, alors je vous invite, communauté A, fanatique Rupi, fanatique Rupi, fanatique Gessler, et fanatique Kiki, et j'en passe. Alors, je vous invite le 23 juin. Faites-la 10h tapant, parce que pas en retard, parce que je connais grand pile monde qui est venu pour venir supporter Rupi, fanatiquement et tout. Et faites-la 20 dollars seulement, mes amis, nous gaspillons 20 dollars chaque jour, 20 dollars seulement. La bonne belle fête. Faites vos jeux, parce que vous avez du pain sur la planche, du bon pain chaud. Tout le monde compte Kazo, m'attendons le 23 juin. Achetez ticket nous pour mal faire, en pile bagaille, me connaît, nous tout abvini. Tout fanatique Kazo, c'est là réellement ma poue. Si m'y fanatique, oui, parce que me connaît en pile fanatique, m'attendons nous tout, le Casa Champêtre. À l'occasion de la célébration du 2e anniversaire de Harpy TV, Rupi Production Television, nous tout invités dans la soirée ventinature du dernier CD en date de la mégastar du Tabou Combo Superstars, Capi, cap également en performance live. Rendez-vous samedi 23 juin 2018 dès 10h du soir à Casa Champêtre de Pengu Pines, Florida. Et également au menu de la soirée, cocktail de blagues avec les meilleurs comédiens de la ville. Kiki le blagueur, Aubry Blague, l'humoriste Gester Mésidor et Rupi the Entertainer. Invité d'honneur, le grand chanteur Casimir des frères Desjardins de Pétionville et l'excellent guitariste Ronald Smith en live. Exposition et vente de peintures traditionnelles venues directement d'Haïti. Rencontrez le staff de Harpy TV, venez dire bonne fête à Rupi Production TV et dansez toute la nuit au rythme de DJ Kiki, le meilleur de la cité. Rendez-vous 10h du soir, samedi 23 juin 2018, Casa Champêtre 7920 Pines Boulevard, Pembu Pines, Florida, pour chanter, danser et fêter avec Harpy TV. Admission, $20 à l'avance. Free CD de Capi du Tabou Combo inclus. Pour information, 954-729-2214. Harpy TV, Rupi Production Television, invite au contacter le jeudi à pour un service 4x4. 1. La promotion de votre entreprise commerciale, soirée dansante ou culturelle. 2. Le vidéo reportage de votre événement public. 3. Engager le maître de cérémonie Rupi the Entertainer pour un événement de classe et plein de bonne humeur. 4. La publication de votre événement pour le plaisir de milliers de téléspectateurs sur YouTube. Relais Harpy TV Jodia au 973-517-6308 ou encore 954-729-2214 pour promotion, maître de cérémonie, vidéo reportage, publication, événement public ou Harpy TV, Rupi Production Television, un staff compétent et expérimenté, un service professionnel pour un prix abordable. Harpy TV, un service 4x4 qui pape la gonne en route. Rupi Production Television, Harpy TV, le carrefour des informations et de la promotion. Amis téléspectateurs, nous arrivons dans le finissement. Émission Rupi Culturel TV Show pour aujourd'hui. Nous apprécions que vous prenez le temps pour être capable de regarder. Tendez-nous. Nous avons cassé rendez-vous samedi prochain pour notre émission. Ici, Jude de Ronsré. Non pas M. Rupi. Bon week-end et à la semaine prochaine.
Rupi Production Television, Rupi TV en YouTube vous invite à prendre une note de la programmation quotidienne. Tous les lundis, Opinion PAO sur un sujet d'actualité avec Carmel. Tous les mardis, Opinion PAM, l'éditorial de la télévision sur un thème saillant de l'actualité avec Rupi. Tous les mercredis, réalité quotidienne vécue en Haïti, série de vidéos documentaires à caractère social en direct d'Haïti avec Rochely. Tous les jeudis, promotion totale, le marketing de vos soirées dansantes et de votre entreprise commerciale. Tous les vendredis, les grands dossiers politiques qui touchaient tout Haïtien de près ou de loin. Tous les samedis, Rupi Culturel TV Show, le magazine de l'actualité culturelle en Haïti et en diaspora. Tous les dimanches, moments spirituels pour rendre gloire à Dieu. Rupi Production Television RP TV, une programmation dynamique pour une audience toujours branchée. Pour publicité et information, 954 729 2214.